Je vous l'annonçais en titre, le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire a mis en place un espace d'échange et de rencontres, de partage également, dénommé les petits déjeuners du genre. Cette activité s'inscrit dans le cadre de son projet « Innover pour dialoguer ». Récemment, les femmes journalistes du réseau étaient dans le royaume de Krenjabo à Abwaso. Occasion de s'imprégner de la place et du pouvoir de la femme dans la royauté en pays Ani. Informer et former une société équitable, inclusive et solidaire, c'est l'objectif du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Dans le royaume de Krenjabo à Abwaso, les femmes journalistes conduites par Agnès Crédy apprennent aux pieds de la reine-mère, Sa Majesté Nguessan Kakouchi, la place et le pouvoir de la femme dans la royauté en pays Ani au cours du petit déjeuner du genre qu'elles ont organisé. À cette occasion, l'importance de la reine-mère dans la désignation du roi chez les Ani Sanoui a été révélée. La femme est un soutien pour l'homme. La femme est la conseillère de l'homme. Donc, prenez ça comme ça. Et le roi est tenu de respecter tous les conseils qui nous sont prodigués par la reine. Elle a le pouvoir. L'enjeu pour nous, c'était de revenir donc sur les traces de ces cultures, de ces traditions qui justement permettent de régenter un royaume comme le royaume du sang-vie et le faire fonctionner de manière à la fois telle que prescrite par les traditions et telle que bâtie donc, depuis donc, des millénaires. Et la reine-mère nous a permis donc de comprendre que la femme est celle qui en réalité détient le vrai pouvoir, c'est-à-dire celle qui décide et qui donne la possibilité à l'homme donc, de régner. Les hommes règnent, mais les hommes ne peuvent régner que si les femmes les choisissent. Les hommes ne peuvent régner que si la reine-mère donc opère le choix de ce neveu héritier, prince héritier du trône, qui peut donc s'installer sur le trône. Et autour de tout cela, nous avons donc pu aborder les questions d'héritage, les questions de la place de la femme dans la société elle-même de manière globale, et cette femme qui a un rôle crucial et central, à la fois de mère et d'éducatrice, sur laquelle donc repose donc l'équilibre de la famille, l'équilibre de la société. D'autres pans de la culture Ani Sanoui, dont la succession matrilinéaire, ont été expliqués. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire a également formé les journalistes et animateurs des radios de proximité du Sud Komoué sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information et sur l'interview.